Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 6 juillet, nous commémorons Sainte Maria Goretti. Bonjour. Sainte Maria Goretti est née le 16 octobre 1890 à Corinaldo, en Italie, dans une famille paysanne pauvre. Dès son plus jeune âge, Maria montrait une grande piété et une profonde dévotion envers Dieu. Après la mort de son père, sa famille déménagea à Nettuno, près de Rome, où il travaillait comme métayer. Le 5 juillet 1902, à l'âge de 11 ans, Maria fut attaquée par Alessandro Seronelli, un jeune homme de 20 ans qui vivait avec sa famille. Lorsqu'elle résista à ses avances et refusa de pécher avec lui, Alessandro la poignarda 14 fois. Maria fut transportée à l'hôpital, où elle pardonna à son agresseur avant de mourir le lendemain, le 6 juillet 1902. Alessandro fut arrêté et emprisonné. Pendant son incarcération, il eut une vision de Maria lui offrant des fleurs, ce qui le conduisit à se repentir et à changer de vie. Après sa libération, il demanda pardon à la mère de Maria, qui le lui accorda. Maria Goretti fut canonisée par le pape Pie XII le 24 juin 1950. Elle est vénérée comme une martyre de la pureté et est la patronne des jeunes filles, des victimes d'abus et des enfants de Marie. Voici une prière adressée à Sainte Maria Goretti. Ô Sainte Maria Goretti, toi qui as choisi de mourir plutôt que de pécher, intercède pour nous auprès du Seigneur afin que nous ayons la force de résister aux tentations et de vivre dans la pureté. Aide-nous à pardonner ceux qui nous offensent, comme tu as pardonné à Alessandro. Accorde-nous la grâce d'avoir un cœur pur et humble, et d'être toujours fidèle à nos valeurs chrétiennes. Sainte Maria Goretti, prie pour nous et guide-nous sur le chemin de la sainteté. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.